Hello à toutes et à tous, c'est Benji, on se retrouve les amis aujourd'hui pour l'épisode hashtag l'impro hashtag 20 pour l'épisode 20 du Let's Play Les Sims 4. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, j'ai la patate, j'ai la forme. On se retrouve après l'épisode 19. Mais what the fuck, Benji, cette logique absolue. On va faire comme à chaque épisode, on va commenter, on va discuter de ce qui a été dit de l'épisode précédent. Donc c'est parti, on y va. Alors, surtout un commentaire que je souhaiterais reprendre. Coucou Benji, un commentaire de Sonia. Continue comme ça, tu es super. Merci, merci, merci. Est-ce que tu vas faire des enfants, créer une famille à Sarah et surtout à Axel? Alors avant tout, il y a un élément qui m'a perturbé le plus, c'est surtout à Axel. Bon, Axel ne fait pas si pitié que ça. Bon, je sais que son maillot de bain était désastreux à l'épisode précédent, mais on a modifié tout ça. Elle ne fait pas si pitié que ça, non? Personnellement, je... Bon, c'est mon avis personnel. Je trouve qu'elle ne fait pas si pitié que ça, mais bon, après, si vous le dites. Alors, bien évidemment, oui, on va créer une famille aux deux sœurs, et ils ont déjà un petit peu leur amoureux à gauche, à droite, mais il faut une maison, hein. Il faut coloniser ce monde, bien évidemment. Mais chaque chose en son temps, bien évidemment. On va attendre un petit peu, on va déjà laisser passer les fêtes de Noël, etc. Et notamment, en parlant de fêtes de Noël, la semaine dernière, c'était... Noël, pardon, voilà. Effectivement, mais c'était aujourd'hui, chers amis, on va s'occuper du jour de l'an. Excusez-moi, j'ai un petit peu du mal. J'ai pas joué aux Sims depuis le dernier épisode, donc j'ai un petit peu de lacune. Alors, juste avant, donc la fête va commencer à 20h, évidemment. Mais il faut ranger cette baraque, hein, donc on va compter sur notre Axel, hein, très dynamique, pour... Ah ! Un rencard avec Patoche. Bah écoutez les amis, on nous invite à un rencard avec Patoche, allons-y, hein. On doit terriblement lui montrer, lui moquer à ce Patoche, évidemment, ça fait belle lurette, hein, belle lurette qu'on n'a pas vu de notre Patoche. Ah, il est là, notre Patoche. Alors voici donc un endroit du disque additionnel Les Sims 4 Vivre Ensemble. Bon, c'est vrai que notre Axel est un look... festif, voilà, c'est ce qu'on peut dire, festif. Hein. Bon, écoutez, on va essayer de leur draguer, hein, parce qu'évidemment, même si elle n'est pas so sexy comme ça, elle va immédiatement changer de tenue, vous allez voir ça, hop, et là, elle va devenir so sexy, montre-nous ça. Voilà, Axel est devenue là, ça y est, so sexy, elle va pouvoir draguer notre Patoche. Hein. Voilà, alors, draguer, racontons une blague, chers amis, décidément, on va pas faire le ménage aujourd'hui, on va faire la drague. Je vérifie qu'il n'y a pas l'autre Patrick numéro 5. Il n'est pas là, c'est très bien. Oh, bon, non, j'ai cru que c'était lui. Alors, si c'était le Patrick qui a... Je crois qu'ils n'ont pas très bien compris le principe du rencard. Un rencard, vous... Vous venez quand même... Non. Oui, non, bon. Taquiner de manière malicieuse, écoutez. Demandez en mariage. Oh là là, ça se passe mal. Ça se passe mal, les amis, ce n'est plus un rencard. Ils vont se taper dessus. Non, non, non. Mais non, non, non. Du calme, Michel, du calme. Du calme, mes enfants. Rompre ! Non, non, non. On va le flatter. Rompre, et puis quoi encore ? On est déjà mal, hein. Tu peux pas partir, toi, là. Tu t'empestes. Complimenter l'apparence, allons-y. La totale. Exprimer son affection. Qu'est-ce que c'était? Allez, vas-y. On joue le jeu jusqu'au bout, chers amis. On joue le jeu jusqu'au bout. C'est bien, il a adoré. Ça va, il a le sens de l'humour. Ça va. Bon, le problème, c'est qu'il y en a deux dans la ville. Alors, je ne sais pas lequel est le vrai, hein, pour tout vous avouer. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, admettons. Faudrait les supprimer tous les deux, en fait. Je sens qu'on va l'inviter pour Noël.
On va avoir nos deux Patrick pour nous à Noël. Enfin, pas Noël, pardon, au jour de l'an. Complimenter l'apparence, c'est vrai, il est beau gosse. Embrasser, je ne sais pas si c'est sur la bouche ou quoi qu'il en soit. Enfin bref, on s'améliore au niveau de la relation amicale, amoureuse avec notre cher ami Patrick. Ah, effectivement, c'était bien un bon baiser d'amoureux. Donc ils sont ensemble. Je ne sais pas en fait. Qui c'est pour elle? Allez, on rencard, mais. Oh là là, il est totalement love. Hein. Embrasser quelqu'un langoureusement dans le placard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quel placard? Oh mon dieu, c'est cochonnerie, chers amis. Oh non! Oh mon dieu, les amis! Oh bordel, Peggy 18! Ça y est. That finish, les amis, ça y est, là, il faut un gros Peggy 18 en plein milieu de l'écran, là. Non, 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 non. Ah non, 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 je suis désolé. Et c'est un placard, ça! Mais c'est génial! On devrait amener les deux Patrick ici, on devrait bien s'éclater. C'est n'importe quoi, puis j'adore les cœurs qui sortent là. Oulala, oulala. Ils sont en train de se battre, je crois. Vous n'avez rien vu. Ah, être désirable, draguer, embrasser la joue. Oh bref, voilà, oui. Il devient totalement in love de nous. Il y a de quoi, puisque nous sommes love de lui. Allons-y, on continue, chers amis, dans les buissons maintenant. Allez, c'est parti. On va faire crac-crac dans les buissons, hein. Oh, tant pis, on va manquer le travail, alors écoutez. Puis les congés, non, je vais les garder. Allons faire crac-crac dans les buissons, exactement, chers amis, hein. Puisque tout bien fait de la nature veut cette étape. Allons dans les buissons. Il n'y a pas de buisson, c'est pas grave. Essayer de faire un bébé. Non, 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 je viens de dire il y a 50 secondes qu'on arrêtait un peu avec ce genre d'histoire-là, donc il faut arrêter maintenant. Demander à avoir une tenue dans... Ah, c'est tout nouveau, ça. Autre sim. Faire l'éloge. Se renseigner sur un autre sim. Ok, bon, y a rien d'autre. C'est pas grave. On rentre à la maison. Là. Hop. Comment on fait? Ah, ça, c'est le rocard. Terminé plutôt. Yes! Merci pour ce fantastique ça. A plus! Tu lui embrasses les mains et tu rentres. Voilà. Faut pas couper non plus le truc net. Bon, du coup, on peut dire qu'il va venir ce soir à notre jour de l'an. Effectivement, là, là, on ne peut pas faire mieux. Il est totalement in love de nous. Hein. Bon, arrête de tchatcher, bordel! Axel, dois-je te rappeler que tu n'as toujours pas fait la vaisselle à la maison? Allez, deg deg, c'est ça, tout à l'heure, à plus. Ouais, Axel n'a toujours pas fait la vaisselle à la maison, hein. Excusez-moi d'être un peu ravageur, mais ça ne va pas se faire tout seul, là, hein, là, là. Oh mon dieu. Et puis étant donné qu'on n'a pas encore les maris, effectivement, pour faire ça, enfin bon, chaque chose en son temps, bien évidemment. Hein. Occupons-nous pour l'instant de fêter les fêtes comme il se doit et après d'en profiter. Alors, effectivement, c'est dégueulasse. La maison est affreuse. Oui, bonjour. Luca Mutch, tu ressembles à Luke Skywalker, excuse-moi, mais... hein, voilà, hein, hashtag Star Wars, bien sûr. Oh, oh l'état de cette maison. Ça sent le traiteur. Ça sent le traiteur qui est passé, mais qui a pas été au bout de son truc. Par contre, tu vas me remettre ta tenue normale, là. Ouais, ouais, non, pas nue, non. Quotidienne. Parce que c'est pas que, mais quand même, tu remets cette tenue-là ce soir, j'ai pas envie que tu sois sale. Oh, ok, jusqu'à dehors et tout, la nourriture dégoûtante. Évidemment, la poubelle, évidemment. Bah écoutez, heureusement qu'on n'a pas plus de vaisselle, hein. Comment elle dandine du derrière. Ah, ce téléphone sonne. Mon patron m'appelle, dois-je répondre? Bah bien sûr. Évidemment. Oh, c'est super bien. Oh, les amis, j'espère qu'on va pas se faire virer, par contre. Hein. Réponds à ton patron. Non, attends, attends, fais une pause. Réponds à ton patron. J'espère que ça va bien se passer, les amis. Hein. Oh, parce qu'on est quand même... Axel n'est pas allé travailler. Si elle manque trop de journées de travail, cela nuira à sa performance. Oui, oui, mais on le sait, on le sait. On est au courant, c'était juste exceptionnel. C'est la nouvelle année très bientôt. Voilà, hein. Ça va. Notre patron nous en veut pas trop.
Béatitude du rancard, raison rancard, rien de tel qu'un rancard réussi pour redonner confiance en l'amour et à votre et à un sim. Effectivement. Heureusement qu'elle a. Où est la sœur? La sœur est bien. Bon. Son patron, ça va, il est assez gentil, il aurait pu la virer ou je ne sais quoi parce qu'elle n'est pas venue. Mais bon, ça va. Tout va bien du coup, hein? Pas d'alerte rouge, tout va bien. Elle est toujours amoureuse de notre. Ah oui, donc on. Ah non, c'est Florent l'autre. D'accord, on a notre Florent d'amour. Envoyez un SMS de drague à tous les deux, tiens, vas-y, hop. N'importe quoi. Ils vont péter un plomb. Vous savez, on est bien au niveau de notre travail là. Oh, on va pas travailler jusqu'à 23h, sachant qu'on fait la fête après, bah non. Alors, elle envoie des messages à tout le monde. Alors, tu es allé aux toilettes. Bah oui, tu as mangé peut-être un petit truc, hein, vite fait. Hop, un petit repas au micro-ondes. Bon, il est 17h, c'est pas grave, il sera 18h, écoutez, bon. Qu'est-ce qui a cassé? Quelque chose a cassé? J'ai cru, autant pour moi. Donc on va réaccueillir beaucoup de monde comme à l'épisode précédent, vous allez voir, ça va être splendide pour cette nouvelle année. On va faire la felt. La felt? Oui, la felt, Benji, tout va bien. Ah! Coucou! Ouais, calme-toi. Calme-toi. Détends-toi. Les gens n'arrivent pas tout de suite. Hein. Donc détends-toi, respire un peu, profite. Hein, profite, va à la télé, va... faire du zapping. Ça détend, tu vas voir. Bon, il n'y a pas de fauteuil, je sais. Hein. Pas de ma faute, hein, je fais du mieux que je peux. Ah non, t'es pas enceinte, hein, toi, arrête tes bêtises, hein, ça suffit. Il est... D'accord. Tout va bien. Bah, contacte ton patoche, bordel. Ah oui, hein. Et dis à ton patoche de vite arriver, hein, il va pas prendre non plus 50 ans à venir. On a des invités, 28, hein, bordel. Patoche, t'as intérêt de vite arriver, hein, on reçoit des invités tout à l'heure, il faut que la maison soit le plus opérationnelle possible. Patoche! Où est-il? Il doit arriver à 20h tout de suite. Il est là, Patoche. Il est là. Patoche est ici, mesdames et messieurs. Patoche est juste là. On va regarder Patoche travailler, hein, ça va là. Patoche est quand même venu. Patoche travaille jusqu'à 20h, c'est fantastique. Hein. Licencié, baiser suave. Oh mon dieu. Donnez un pourboire, tiens, vas-y. Donne-lui des sous, ça va y plaire. Oh. Embrassé. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, c'est Tourtouro et là c'est petit ami issu d'une amitié. Oh là là. Oh Dieu. Bon. Elle est derrière, je crois qu'elle est en train de se foutre de nous là. Organiser un événement social. Tu iras faire non, tu vas pas te cacher. On va essayer de garder la tête au pot. Alors, fête privée. On va faire une soirée dansante. Ouais! Soirée dansante! Cliquez pour inviter un sim. Mais on va inviter tout le monde! Hop! Hop! Tous ceux qu'on a des relations. Y'a pas Patoche! Don't Patoche! Après, y'a les filles de notre groupe. Je crois que j'avais cliqué dessus, hein, ouais. Ah oui, on n'oublie pas Tata. Tata Lando. Il y a deux fois le même Patoche, hein. Je crois qu'il veut divorcer. Je crois. Ok, on peut pas plus. Parfait. Hop. Et
Oh non! On ne peut pas le faire à la maison. Ah, écoutez, c'est pas grave. Allons à la boîte de nuit. Oui, nous aussi. Vas-y, on a du pognon. Allons faire la fête! Wouhou! Mais écoutez, c'est l'occasion de tester, hein? Allons faire le jour de l'an, autre que chez nous, dans un lieu méga branché. Bonjour! Action. Retirer de la bande. Oh! Oula, pourquoi il y a un bleu? Bah, Sergio, qu'est-ce que c'est pas ça? Oh, il y a eu un problème, Sergio, là, à mon avis. Ça s'est pas très bien passé. Waouh! Mais quel endroit! Mais on danse où là-dedans? Oh! Ah, y a qu'ici qu'on peut aller. Très bien. Ah, mais on danse là! Y a tout ce qu'il faut, l'art là. Où est ma sœur? Elle n'est point là! Mais où est-elle? Elle n'est point venue! Bah, viens là! Sarah! Où est-elle, Sarah? Pourquoi Sarah ne vient pas? Elle est là. Où est-elle? Duel de danse. Vas-y, avec... Tiens, elle. Vas-y, c'est une à ta sœur. Non, mais juste avant, ma chérie, tu as changé de tenue. Mais non, mais change de tenue avant. Ah oui, voilà, il y a plus de monde là. Ah, tu peux le faire avec ta sœur. Écoute, la sœur, viens là. Où est-elle? Où est la sœur? La sœur est ici. Arrête de boire, toi. Ça y est, déjà parti à picoler. Habillé. Et tu peux faire donc un duel de danse avec ta sœur, Sarah. Allez, go! Les deux sœurs, mesdames et messieurs. Et une qui fait des pompes. Les amis, on vote dans les commentaires. Sarah versus Axel. Laquelle des deux aura le swing dans les hanches? Allez, go! Dégagez la piste. Maestro, musique à fond. On peut pas. Si, pas nous comme régler le volume. NV. Effets spéciaux. Tout activé, nice. Allez les sœurs. Tout le monde les regarde. Ouais. Ouais, bon, ça sent qu'il n'y a pas de level, hein. Ça sent, écoutez, leur nullité est palpable. D'accord. Ok, bon, je sens que les filles, il va falloir qu'on fasse beaucoup de choses, hein, et qu'on s'améliore niveau danse, hein, si vous voulez rivaliser avec les plus grands, hein. Ouais, il va falloir arrêter les cheeseburgers et bouger plus le popotin que ça, hein. L'autre est sans jaille à côté, là. Oula, tout le monde veut la sauve, le pauvre. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Regardez. Yeah. C'est le DJ Vedette. Sébastien Richard. Sébastien Richard, DJ Vedette. Ouais. Oh, il est minuit 15, elle vient de nous montrer son téléphone. Bonne année! Wouhou! Et bonne année à vous, chers amis. Bien évidemment, d'excellentes résolutions à tous et max de pompes, max d'abdos. Ouais! Hein? Ouais, acquis la compétence DJ. C'est vrai. On peut pas le remplacer, non? Oh là là. Tu deviens expert. Tu deviens expert. Mon dieu, on fait plein de choses, c'est fantastique quoi. Alors, pourquoi il y a plein de trucs au-dessus de leur tête? Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'ils sont avec nous? Ok. Oh, tu peux pas faire quelque chose de mieux en musique là? Ah, demander un genre musical. Hip-hop, breakdance! Oh yeah!
breakdance. Yo, ma gueule. Yo, 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 yo. Tout ce bordel. Par contre, est-ce qu'il y a, pas un mec qui sort tout seul là? Non, y a personne. Tout le monde est là quoi, genre hashtag on est tous là et les autres allez tous me faire voir. Wouh! Ouais! Wouhou! Ouais, frappe tes fesses! Commandez à manger, toujours vous bouffez celle-là. Commandez une boisson. Commandez une boisson. Cola crème, tiens, vas-y. Ah, tu discutes avec Pastoche. Là, y'a beaucoup de monde par contre. Hein. Orange Paniao. Merci pour le Orange Paniao. Allez, filles, j'ai des trucs à vous dire. On va rien si j'y suis. Oh, on la reconnaît. Je vous ai cassé les oreilles, c'est génial. Hein. Oh, yeah. Axel, c'est ta chanson préférée. Pose-moi ce verre, arrête de droguer et va danser. Yeah. Où est ta sœur? Elle est là. Mais là, c'est très bien enfoui, non? Alors, on peut faire des trucs devant, j'ai vu tout à l'heure. Duel de danse, frimé avec ses mouvements, bras endiablés. Vas-y, montre-nous ça, Sarah. Mais non, tu t'en moques. Alors, va faire un duel de danse avec Tata, tiens, vas-y. On va voir si Tata, elle sait plus danser. Ok, c'est bugué. Appelle Tata. Tati! Viens Tata, on va danser. Viens. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Danser avec Sergio. On va danser avec Sergio, vas-y vite fait. C'est lui Sergio, non? Ah, c'est lui Sergio. Tu peux pas le draguer ton Sergio là? Technique de drague. Vas-y, drague-le. Essayez de flirter. Essayez, j'ai bien dit essayez hein. Elle est pas non plus experte, ils sont tous en train de danser. Oula. Bon, ça va pas, danse. Allez Tati, t'avais dit oui pour le duel de danse. Tati? Mais Tati? Tati? Mais Tati, elle se barre. Tati, elle s'est barrée dans le labyrinthe. Oh, le bordel, pourquoi ça? Oh, il y a quelqu'un qui a fait pipi dedans. Mon dieu. Tout ça pour ça. Mon dieu, c'était loin. Go, la musique est bonne. Yeah. Hey, le petit matin, on est au petit matin, ça y est, on a fait la fête toute la nuit. Tati! Oh, bah tant pis, elle est tout seule. Où est ta sœur? Oh, c'est une blague. Non, mais attendez, oh, la sœur, je vous jure, c'est pas possible. Elle est tellement bu, elle est partie dormir dans les buissons, c'est pas possible. Vas-y, Sarah, tout le monde compte sur toi. Ouais. Sarah, montre-nous ton déhanché. Tout le monde compte sur toi, Sarah, vas-y. Elle mate le mec, elle le lâche pas des yeux. Hein. Peut-être qu'elle veut le draguer. Oulala, attention, ça devient sérieux, là. Attention à la voix du level, mesdames et messieurs. Attention, Sarah est dans la place. Un fantôme. C'est qui? Nina Ghost. C'est normal, c'est un fantôme. Où va-t-elle? Faire une sieste. Ah mais non. Mais non, mais non, mais non. Oh, bordel. Ah. Interdiction de se cacher dedans. Tout le monde emprunte les... Oh,
Faire une sieste avec Paris, tout le monde emprunte les machins. Oh mon dieu. Oh, dans l'état qu'elle est. Ouais, bon bah il est temps de faire d'arrêter de faire la fête là. On attend ta sœur qui termine sa sieste, hein, mais il est temps de faire la fête là, il faut rentrer à la maison là. Allez hop, parti se recoucher. Oh mon dieu. Oh, faut qu'elle aille au travail. Oh mon dieu. Sarah, réveille-toi, faut que t'ailles au boulot. Non mais attendez, il doit y avoir un moyen de prendre une journée sans solde quand même. Non. Vas-y. La pauvre a dû aller au travail dans cet état. Eh ben oui, c'est les contraintes d'être scientifique, il faut quand même aller au travail même si t'es dans le pire des états. Oh la pauvre. Qu'est-ce qu'il y arrive en plus? Buisson répugnant, raison buisson sale. Ce buisson a déjà été utilisé et la chasse d'eau n'a pas été retirée. Ah. Et elle va au travail comme ça, la pauvre. Sarah, nous sommes tous de bon cœur avec toi. N'est-ce pas, chers amis? On est tous de bon cœur avec elle. Bon, elle a l'air partie se recoucher. Je vais la laisser un peu dormir dans son tuya. Non, mais c'est bon, arrête. L'autre, elle est en train de faire sa nuit dans le tuya. Allez, rentre, il est 13h de l'après-midi quand même. Tu vas pas t'enchaîner non plus deux jours de fête. La fête est terminée depuis déjà un bon paquet de temps, puis elle a continué de faire sa folle. Oh mon dieu. Oh, bah, chers amis, écoutez. Là, on a fêté ce jour de l'an vachement mieux qu'à la maison. Hein. Et puis, elle doit aller au travail dans une heure. Bon, écoutez, on va remanquer le travail. Oh mon dieu, chers amis, mais quelle catastrophe. Au moins, on peut dire qu'on a profité. Hein. Au moins, ça, c'est sûr. Au moins, on peut dire qu'on a profité de l'événement. Là, on ne peut vraiment pas du tout, mais vraiment absolument pas du tout mieux profiter de la fête. Là, on est au max, hein, quand même. On est vachement au max. Oui, bonjour, vous êtes... les avant-gardistes, ok, et les nains verts, c'est marrant, je le savais. Un réparateur, cet objet, machin... Pendant votre absence, oulala, ça sent le Patrick qui est venu chez nous cambrioler, nous piquer des sous, comme on l'a essayé de le draguer, que ça y a pas trop plu. Bon, on va relouper le travail aujourd'hui, chers amis, ah, désolé, je pense qu'on va se faire virer. Mais dans l'état qu'est notre Axel, déjà la sœur est partie travailler, je ne sais pas comment elle fait. Mais alors, dans l'état qu'est notre Axel, on va essayer un petit peu de la conserver. Là, elle va aller se coucher, là. Là, déjà, elle va aller se coucher pour essayer de récupérer un maximum de cette folle nuit. Mais ça va pas être facile, hein, vu la folle nuit, hein, tout simplement, qu'elle a passée. Sergio, tu conçois. Oh, écoute, Sergio, t'es gentil, hein, mais la réunion, là, je sors d'une grosse soirée. Je me suis pas encore couché. Mais on est des fous, chers amis. Acceptez. Ok, allons-y, chers amis, on est des fous. On enchaîne les soirées, les fêtes, les machins. Waouh! On va vivre. Le travail à côté, c'est important, mais c'est bling bling dans ce genre de conditions-là. Puis on papote, mais faudrait peut-être arrêter l'épisode. Hein. Mon dieu. Ouais, on va le flatter. On va partager un secret. Ouais, ça fait deux jours que j'ai pas bu. Discuter des centres d'intérêt. Ouais, on va le voir un petit peu, puis après... Amour. Est-ce qu'on peut le draguer, celui-là, tiens? Regardez ça. Est-ce que Axel a ses chances? Elle s'entend plutôt bien avec lui. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas non plus dans sa tenue adéquate. Ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Ok, alors à plus. Ça ne marche pas. Donc on est honteux. Bon, vaut mieux rentrer à la maison, alors, si ça ne marche pas comme ça. Allez au travail. Non, non, tu vas pas aller au travail, tu vas rentrer à la maison. On va remarquer, chers amis, on pourrait l'envoyer au travail juste histoire de rigoler et de voir comment est-ce qu'elle va travailler. Mais bon, ce serait des risques à prendre, hein. Vaut mieux qu'on perde tout notre travail directement. Mais bon, vous inquiétez pas, c'est l'occasion des fêtes. Après, tout rentrera dans l'ordre, on reprendra notre travail bien comme il faut, évidemment. Juste le temps que tout s'adapte, hein, tout simplement, évidemment. Bon... Mon dieu, quelle journée! Bon, écoutez, les amis, on va se quitter là pour aujourd'hui. Ça aurait été une sacrée journée. Tiens, tu peux repartir dans la douche. Une sacrée journée, une sacrée nuit, un sacré épisode dans l'ensemble. Donc, les amis, en tout cas, merci d'avoir regardé. Surtout, n'hésitez pas à laisser un j'aime et de mettre un commentaire si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve donc, les amis, très très rapidement pour un de vos épisodes favoris. Allez, les amis, à la prochaine et ciao, bye bye!